Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message et la guidance intemporelle de ce mercredi 2 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, cette pensée positive de ce 2 octobre, eh bien, les couleurs de l'automne. L'automne est la saison des changements de couleurs. Observez le spectacle de la nature au lieu de se lamenter sur la fin de l'été et sur les journées qui raccourcissent. Allez marcher en forêt ou dans un parc, ramasser les feuilles mortes, s'amuser à identifier les arbres, accrocher aux branches des filets de nourriture pour les oiseaux ou les écureuils. Vous savez, chaque saison a ses charmes. À nous de les apprécier. Eh bien, moi, je peux vous dire que je donne des filets de nourriture aux oiseaux. Et j'ai même l'écureuil hein, qui est friand de tout cela. Et j'ai deux écureuils qui viennent dans mon jardin. Alors aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 40. Le respect est une règle d'or dans la vie. Mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi. Le respect de ce que tu es, de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Oui, le respect. Je dois dire que dans cette société, ici, il y a un manque de respect. Malheureusement. Le message financier, eh bien, il est le suivant. Le domaine financier est un chemin qui demande patience et logique. Ne dépensez pas autant que les autres juste pour leur ressembler et le regretter après. Apprenez à vous sentir libre de ne pas dépenser si la situation est fragile. En fait, ne dépensez pas plus que vous n'avez sur votre compte, parce que vous allez avoir des problèmes. Donc voilà le message au point de vue des finances aujourd'hui. Et puis si votre voisin ou votre voisine dépense plus que vous, c'est peut-être parce qu'elle a les moyens de le faire. Et vous, eh bien, limitez-vous, ne pas dépenser plus qu'on a, parce que ça va être une catastrophe. Côté professionnel, eh bien, c'est à vous de trouver votre place dans votre travail. À trop vouloir écouter les reproches, vous n'agissez plus pour votre épanouissement, mais pour celui des autres. Comment voulez-vous évoluer si vous oubliez la personne que vous êtes réellement? Il faut peut-être que vous exprimiez vos désirs côté professionnel et ne pas agir selon ce que les autres veulent. Il faut vous affirmer, vous respecter. Et vous avez le droit de refuser. Donc voyez côté professionnel ce qu'il y a lieu de faire et ce que vous pouvez mettre en place. Côté sentimental, eh bien une histoire mérite d'être vécue dans la simplicité de ce que l'on est. Chaque projet, chaque action doivent être épanouissants pour vous deux. Ne vous imposez pas un mal-être par culpabilité afin de ne pas le faire subir à votre partenaire. En fait, affirmez-vous dans votre relation sentimentale, dans votre couple, dans votre relation, affirmez-vous. C'est important. Et côté spirituel, il existe autant de chemins spirituels que de chemins illusoires. Si celui-ci,
Si celui, pardon, que vous avez commencé à suivre ne vous convient pas, eh bien, changez-le. Vous êtes libre. Vous avez le libre arbitre de changer les choses. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que ça soit spirituellement, financièrement, professionnellement, sentimental, vous avez toujours le libre arbitre de changer les choses, de faire ce que vous aimez et de refuser ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Tout ça, c'est se respecter. Waouh, beau message, n'est-ce pas? Je termine avec Ho'oponopono. Aujourd'hui, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Ce que nous semons, ce que nous avons semé dans le passé, ce que nous semons dans le présent, nous le récoltons un jour. Si vous avez semé des mauvaises graines dans le passé, vous récolterez, eh bien, des mauvaises graines. Aujourd'hui, si vous semez des bonnes graines, eh bien, vous récolterez de magnifiques graines. Très, très beau message, n'est-ce pas, de Ho'oponopono. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message, une nouvelle guidance intemporelle. Ces guidances vous permettent un peu de voir clair, un peu plus clair pour certains d'entre vous dans votre vie présentement. Moi, en tous les cas, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur demain. Portez-vous bien et moi, je vous embrasse. À demain.